Je suis très, très impressionné par ces réflexions. Effectivement, entre l'analyse et les choses qu'on voit, se produit quelque chose d'assez extraordinaire. On a passé l'année dernière, en lisant le travail de Michael Fried, qui par moments approche des réflexions de cet ordre-là, du même ordre que le tien, mais avec d'autres concepts. Et je dois dire, le rappeler aussi pour le participant du séminaire, c'est cette question de la, disons, déconnexion interne, d'une rupture interne à la peinture du Caravage, d'un problème de connectivité, a été abordé de différentes manières, notamment par Bersagne et Dutuis, d'un point de vue psychanalytique, dans un très beau livre. Ouais. J'ai oublié le titre, mais Caravaggio's Secrets. Caravaggio's Secrets. Et le livre que nous sommes en train de lire de Lorenzo Pericolo aborde également cette question du point de vue de l'historia, de la manière dont Caravaggio porte atteinte à la cohérence narrative des tableaux et au modèle de l'historia. Mais je trouve que l'analyse de Wolfram Pichler, qui se situe sur un autre plan, est très stimulante. Je suis un peu sans parole parce que la fin m'a beaucoup frappé, les toutes dernières paroles à propos du paradoxe qui effectivement ne se résout pas et qui est peut-être donc la seule chose qu'on peut faire, c'est le faire apparaître, le montrer à l'œuvre. En même temps, j'ai fait des remarques un peu confuses, Non, pas du tout. mais j'étais aussi en train de réfléchir au texte de Roberto Longhi, de 1953, je crois. C'est l'un des premiers grands livres sur Caravage. Et l'un des problèmes de cette époque était d'exclure et d'inclure un certain nombre de tableaux du corpus du Caravage. Et parce que jusqu'à cette époque, il y avait une quantité énorme de tableaux qui lui étaient attribués, ce qui rendait très difficile l'interprétation de son œuvre. Et étrangement, Longhi, qui est un formaliste, enfin, à sa manière aussi, et parle d'unité. Pas de duplicité, il parle d'unité. Exclut certains tableaux, et notamment qui appellent, après on a appelé des caravagistes, parce qu'ils s'arrêtent sur des détails, parce que l'organisation globale de l'image ne s'impose pas. Et ce que tu nous proposes ici, ce n'est pas de l'unité, mais en même temps, c'est une forme particulière de construction qui est celle de la duplicité, mais qui, d'une manière très particulière, produit une consistance. C'est un des premiers mots qui était utilisé. Consistence. Alors, la question, qui n'est pas une question parce que tu l'as déjà répondu, mais c'est de produire de la consistance à travers la scission, à travers la relation paradoxale entre deux parties. Et donc,
la tension qui se produit dans cette relation entre les deux feuilles du livre. Je me demande si on peut utiliser ces termes plus énergétiques pour ça, tension, ou éventuellement dans certains cas, la duplicité est maintenue. Donc là, nous sommes vraiment dans les paradoxes, dans un sens parfois un paradoxe presque logique, et parfois il y a conversion. Donc franchissement de la ligne dans le cas du tableau d'Emmaüs, là où un problème d'entrée, que l'un puisse rentrer dans l'autre, et donc d'une puissance de devenir. Alors je ne sais pas ce que tu penses de ça. I think this is. Again, this is, you point to a similar necessity of continuing here than with the Leonardo. And it has to do with limitations of focusing on topological characteristics or traits, because the tendency is then to that you don't see something like the energy or the problematics of becoming. Today I tried to touch a little bit on this, because there is something like that which lies in between can also be conceived as that force which has produced some kind of cut or wound, and which has driven things apart, but which is also that which somehow connects it. And for instance, in the wound of the Holofernes, there's the moment of impact. And like in Leonardo, in Caravaggio, there's much physics going on, and it may be really, it can be conceived of as some kind of Aristotelian physics of, I've lost the Aristotelian term, but we would say impact is very, and traces of some kind of impact, and the folding is also something, a kind of catastrophe. Where does topology treat folders? It's in that which became to be named by catastrophe theory, right? René Thom, the kind of topology Deleuze relates to in his book. So one might. And here we have got these bending forces. One would have to work out more clearly how, I totally agree, how energy of forces come into play here as something which produces these twists, folds, and discontinuities. Something which is not a third thing, but produces the doubleness, and connections and separations. And then for me one could simply describe this and continue and go on and say, and now we have to make a second part of our presentation and talk about energy. And then one will have to, I think, decide what one does methodologically. Would one want to map this somehow to physics and natural science? This was one tendency, of course, in Caravaggio studies, as we might call them. Or is there a way, and this was something I wanted to maybe ask also myself and you, is there a way of coming back to Louis Marat? Because
the moment, are these forces also, can they still be conceived as the moment of utterance, of enunciation, in the NLC, in the l'opacité réflexive the other term, well, transitive, atteindre la dimension transitive. Is this a possibility of connecting such a formalistic reading, with which I've started, to the paradoxes I think Louis Marin has been interested in, and so it's about these pieces, great pieces about secret. It's very much, I think, about paradoxes, about mise en abîme, and so on. So maybe, I don't know, if this is a way to, for me, I would like, because I'm part of the Vienna Louis Marin Society. I didn't tell you that. So I would like to do this, but I'm not sure. Just un petit complément. J'étais en train de réfléchir à un tableau de Poussin qui est remis de Renaud. Je n'ai parlé beaucoup, très souvent ici, j'ai écrit là-dessus. C'est vraiment une manière de la part de Poussin de donner à voir comment l'ennemi devient l'amante. Donc je ne vais pas le montrer pour ne pas prendre trop de temps, mais il y a un bras qui tient le couteau, qui est très tendu, et un bras qui est abandonné sous la main de l'ennemi qui est... Donc il se produit là toute une, effectivement là, une transformation, une conversion. Mais Poussin était l'ennemi de Caravage. Enfin, c'est comme ça qu'il se concevait. Et il disait qu'il était venu, que Caravage avait été venu au monde pour détruire la peinture, ce qui a donné aussi le titre au livre de Louis Marin. Donc peut-être que mon insistance sur le devenir n'est pas tout à fait juste, dans ce sens où effectivement, chez Caravage, il y a de l'arrêt, et qu'il y a quelque chose qui reste non résolu. Il n'y a pas passage de l'un à l'autre, même si chez Poussin aussi, il y a la réversibilité de cette situation, parce qu'à côté de Renaud, endormi et offert à la magicienne qui va s'emparer de lui, il y a un casque qui montre qu'il peut redevenir ennemi. Donc les choses peuvent se renverser, mais toujours dans un sens, il y a aussi un paradoxe, mais qui est un paradoxe pour lequel les deux devenirs sont possibles en même temps. Donc ça, c'est l'analyse que j'avais faite. Mais on ne peut pas mettre peut-être Caravage sous le même... Justement, ça a été remarqué à l'époque, et encore aujourd'hui, cette dimension d'arrêt, qui est d'une manière, d'une certaine manière, fait la force aussi de cette peinture. Donc, je ne sais pas que je retire ma question, mais je dis attention à ne pas tout mélanger. I need to come to understand this more closely, and of course, also thought about your analysis of the Rach. Clorinda and Tancredi, mm-hmm. With the paradoxical motive of the sword, self-mutilation, which is also a healing gesture, very much in the center, middle of the painting. There are the differences, but there are also some kind of similarities between these two. Well, that's the reason why Mara could write this book. Yes, le moment du d'arrêt, the arresting, the movement arrested, the shock which is still reverberating in the thing arrested, still going on. These paradoxes are very evident, and that's why many people are arrested and moved by this kind of painting, who don't even give attention to Il Divino Tiziano.
But nevertheless, they look at some Caravaggio painting because he has the force of showing what painting might really be, whereas the other painters are to an ordinary public today, I guess, they talk with too low a voice for us today, it seems to be.